Tous trois sont tombés victimes de la haine, de la barbarie, le 19 mars 2012. Un jour gravé dans notre mémoire collective comme un jour de deuil. C'est avec ces paroles solennelles et sous une pluie battante que Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, donnait le ton de la cérémonie devant plusieurs dizaines de personnes, membres de la famille, amis et représentants de la communauté juive, élus et personnalités politiques. Il y a plus de 7 ans, à l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse, Mohamed Merah tuait 4 juifs, dont 3 enfants, Harry et Gabriel Sandler, âgés de 6 et 3 ans, ainsi que Myriam Monsonego, 8 ans, la fille du directeur de l'établissement. L'inauguration de 2 allées portant leur nom a été accueillie avec beaucoup d'émotion par les familles des victimes. Comme vous l'avez pu le voir dans l'allée Myriam Monsonego, il est indiqué 2 éléments, victime du terrorisme, mais aussi de l'antisémitisme. Et que c'est parce qu'elle était juive qu'elle a été assassinée. Il est important aussi que lorsque des enfants viennent jouer dans ce parc et qu'ils s'arrêtent un petit peu 2 secondes pour essayer de voir et de constater que des enfants de 8 ans, de 3 ans, de 6 ans, ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il ne reste plus que la mémoire, et c'est un moyen que personne ne les oublie. C'est le seul combat qui me reste maintenant. J'ai plus l'occasion de les embrasser, venir dans mes bras. Alors c'est le combat de la mémoire. Et comme ça, les Parisiens, en plus dans un square, c'était de leur âge. Les balançoires, les derniers films qu'on a d'eux, c'est les balançoires, c'est les toboggans. Voilà, donc on perpétue sa mémoire, leur mémoire comme ça. Ce devoir de mémoire participe aux yeux de la mairie et des représentants de la communauté juive au travail constant de lutte contre l'antisémitisme. Il faut que dans les écoles, il faut que partout dans l'espace public, on puisse parler de ça, se commémorer ceux qui ont été tués à cause de l'antisémitisme. Il faut lutter et constamment lutter. Et je pense que aussi c'est un symbole de cette lutte, d'avoir inauguré ces allées aujourd'hui. Pour renforcer encore davantage les liens entre les Juifs de Paris et leur ville, Anne Hidalgo a annoncé prochainement la création d'une place Jérusalem qui verra le jour à 2 pas des allées Sandler et Monsonego.